Tu dis bonjour maman. Et elle te regarde là. Mylène, bonjour maman. Bonjour maman. Je te dis un gros bisou. Bon, ça y est, je suis prête. On part plutôt du coup. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Il fait super froid. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors en fait, ma famille me dise. J'ai pris une pastille pour la gorge. Ça commence bien. J'ai pris des médicaments et tout, je suis une psychopathe. Il vaut mieux avoir que pas avoir. Bref, et ma famille m'a dit, ils sont en France, ils sont dans le sud, hein, et ils me disent non mais en fait il fait la même température qu'à peu près en France en fait. Mais pour moi, j'étais gelée. Hier, je n'arrivais même plus à toucher mon téléphone. Je pense que j'ai eu un choc thermique entre Dubaï et ici. Là vraiment pour moi, il fait très 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 froid. Alors que pour eux, bah, ouais, il fait froid quoi. Bref, du coup on s'en va. J'ai pris avec moi un petit 50 ml de Bialoché. Donc elle arrive à l'aéroport, elle sentait moi, c'était trop mignon. Regardez comme ça là-bas. Regardez. On va dormir ce soir, c'est trop stylé. J'adore. C'est magnifique, on va dormir dans les petites lodges comme ça là-bas. Bon, alors là, je vous explique. Oh là là, je suis dans un état, les gars. Ça y est, là, j'ai dormi 3 heures dans l'avion. J'ai dormi hier de 2h à 5h45. Je me suis levée très tôt ce matin. J'ai fait la route toute la journée. J'ai conduit moi. Là, je suis vraiment très très fatiguée. Il est 20h58. Je lutte pour pas m'endormir à 20h. Parce que j'ai pas envie de me réveiller à 3 du mat. Mais je peux vous jurer que dans une demi-heure, je dors. À 21h30, 22, c'est très bien. Oh là là. Ça fait tellement du bien d'être lavée, propre, de savoir que je vais dormir, je suis KO. Je vous remets mon code promo pour Gilor pour ceux qui sont intéressés. Et voilà, profitez. J'ai même pas la force que mon mari se réveille. Il est 7h à Dubaï. Même ma voix, elle me lâche. Il est 7h à Dubaï, je sais qu'il va se réveiller d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, mais j'arrive pas à tenir. J'ai envie de voir les enfants, le décalage il est dur par contre, parce que lui il se lève là et moi je vais me coucher. Et quand je vais me réveiller, ce sera genre la fin de la journée pour lui. Quelques heures après il va se coucher, le décalage il est très très compliqué. Donc c'est vrai que c'est pas facile ça, mais bon après ça va. J'ai des journées tellement chargées et fatigantes. Là on a fait tout le parc à pied de Zion National Park, franchement on s'est régalé. Je kiffe trop quand je vois mes parents, mes frères kiffer faire des photos, enfin genre voilà, avec les petites paillettes dans les yeux, ça me fait trop plaisir, je passe un trop agréable moment. C'est ce qui me fait encore plus plaisir, je crois, que le voyage. Enfin le voyage me fait plaisir, mais de les voir heureux, c'est encore mieux. Voilà, bon je vous souhaite une belle nuit à tous, et demain on change d'endroit. Et on va à, alors excusez-moi pour l'accent, Bryce Canyon, je sais pas, j'en sais rien, bref, je suis au canyon. Bryce Canyon, je crois. Je sais pas. Mais je vous dis à demain.